de voltage. Le matin quand je pars au taf, je branche Artufelle sur voltage. C'est un très bon réveil sur voltage. Dans un instant, venez répondre sur la question de vos désirs sexuels féminins. Eh oui, mesdemoiselles, vous êtes de plus en plus nombreuses à vous lâcher au lit, n'est-ce pas, Armel? Oui. Je la taquine parce que je lui ai un peu tiré les verres du nez pour qu'elle me parle de son lapin tout à l'heure. Si vous l'avez raté, restez avec nous, revenez dans un instant, on parlera du fameux lapin d'Armel. Pour l'heure, c'est Voltage Man et son béret. Un béret qui coûte quand même 9000 euros, j'aimerais bien comprendre. Alors, à votre avis, pourquoi il coûte 9000 euros? Il a une particularité. De l'or? Il est fait en or? Non. Est-ce qu'il a appartenu à personne de célèbre. C'est un béret en feutre, tout ce qu'il y a de plus simple. C'est les créateurs qui l'ont fait. Si c'est un béret fait par Dior. Est-ce qu'il a une matière particulière, c'est pour ça? Non, c'est pas ça. Il a une queue particulière. Un béret a une queue. Oui, un béret a toujours une queue. Vous savez, c'est une espèce de... Le pompon, c'est la queue. On appelle ça la queue. Ouais. Alors, il a une grosse queue. Non, il a une petite queue de rat. Alors, le truc, c'est qu'il a... C'est la matière? Ouais, non, c'est pas la matière, c'est-à-dire c'est plutôt le matériau. Ah, c'est peut-être une vraie queue de rat. Non, du tout. Il a une queue en or blanc. Bah, je viens de le dire. J'ai dit, il a un truc en or, tu me dis non. Mais non, c'est de l'or blanc. C'est de l'or, c'est ocre, couleur or, là c'est blanc. Mais c'est pas de l'or. Tu sais qu'il y a trois sortes d'or. Il y a l'or blanc, l'or rose, l'or rose et l'or gris. D'accord, donc là c'est de l'or blanc, l'or gold. Parce que là t'as juste dit or, donc t'aurais dû dire l'or gris. Là tu chipotes sur les mots. J'ai gagné. Là j'avoue que Caro a raison sur ce coup là. Donc il a une queue où il y a 188 diamants d'or blanc qui sont incrustés. Alors attends, c'est des diamants ou c'est de l'or blanc? Non, il y a une queue là. Si j'ai compris, il a une queue en or avec des diamants dessus. Ah oui. Alors c'est... attends, parce que j'ai dit les diamants. Non. J'ai dit l'or. Non. Oui, non, mais parce que c'est des diamants blancs. Donc il a une queue en or blanc et... Voilà, c'est ça. C'est une queue qui est en or blanc et il y a 188 diamants autour. Donc en fait, elle avait tort. C'est bon, on a compris. Écoute, c'est super. C'est un béret à 9000 euros. Merci. Non, mais merci. Donc, je veux remercier sa mère et son père de nous l'avoir créé. Écoutez, c'est super. Écoute, très bien, Voltage Man. Elle n'avait pas gagné. Je vais aller boire un café. Tu devrais en prendre un avec moi aussi, je pense. Donc un béret qui a une queue en or avec des diamants et qui coûte 9000 euros. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, voilà. Ouais, okay. C'est ça, ouais. Et il appartient à qui? Un mec. D'accord, merci. Ok, super. Allez, ça servait de revenir dessus. Ouais, non, mais je voulais bien valider que ça appartenait bien à quelqu'un. Tous les matins, 6h, 9h30, Artufelle réveille Paris.